Qu'est-ce que tu as dit, moi? Qu'est-ce que tu as fait avec Loin exactement? Mando sous le West Gas au Loin. Vini gobo le matin, mais l'après-midi, pas de Sagas au Loin. C'est seule commune qui peut regarder Sagas. C'est l'homme à l'homme à quatre qui baille lui-même. Ok. Et puis, quand vous avez une base, vous avez. Donc, ça n'a pas trop touché les autres pays ici, en fait? Non, non, nous pas ni baie. Nous pas ni baie ici. Nous pas ni côté qui ferme. Et ça, vous pensez du fait qu'il y a deux côtés qu'on Robert, qu'on Vauclin? Mais parce que, regardez. Actuellement, je mettais Barrio et Robert pour barrer. Robert, une trop belle. Une trop belle alors. Il est entré, il a freiné là. Bon, mais c'est pas faute maman Robert. Normalement, l'État prend en charge de l'État là. Oui, mais c'est l'État. C'est pas l'État. C'est pas l'État. Ça faut que tu aies fait. Eh bien, il y a eu que les. Ouais, quand il a fait Robert là, il mettait Ticano là, tu bailles là. C'est lui mettait un peu Martinique. Donc c'est pas un seul, faut que nous n'y allons, c'est plaisir. Non, faut que nous plaisir. Et ça, on va penser des affaires, mettez filette là pour qu'il n'y ait pas ni temps échoué. Est-ce que filette là n'a pas été plus efficace? Oui, il était plus efficace. Mais qui compte quoi, oui? Pourquoi oui, Dominique? Non, on va faire 8 petits mais plus haut à terre Martinique même. Mais comment là, même si on mettait un bel longueur, on va boucher toute côte l'eau, hein? Bon, ok, nous comprenons que nous. Mais il faut que nous fassions ce baguette, de toute façon, il ne faut pas nous quitter bien là comme ça. Eh bien, ouais, comment ça là? Faut que déjà, monsieur Marie-Jeanne, hein, décider de ne pas prendre la Martinique là. Ok, pas de problème. Parole a dit bien dit. Mais maintenant, il dit une autre baguette. Qu'est-ce qu'on a pensé de les prix qu'on a fait ici là? Est-ce que la vie est trop chère? Elle est trop chère. Beaucoup. Je suis sorti en métropole. Je suis d'eau. Ouais. Beaucoup trop cher. Qu'est-ce qu'on a constaté? En bouc bon matin, tu es une petite pièce autour, 380 euros. En fait, ça m'a payé ça 120 euros, 110 euros. Et bien, qui ça achète comme ça ici? Mais parce que. Non, ce n'est pas Octobre de mer là. Parce qu'il y a presque Octobre de mer là. C'est la mer de l'Octobre. Ça a été la bonne. Qui a un homme qui a un camion en Afrique là, tout bas, et qui a la galerie, qui a ce bagage là. En fait. Non, papa, en fait. Il y a un plus haut, encore plus haut qui. C'est eux qui ont fait ça. Tout ça, il a fait exactement. Il apporte toute la romantique qu'il a mené. Comment ça va? Oui, Bernard Ayot. Ça, il a fait, hein? Il apporte toute la romantique qu'il a mené en Afrique. Ah bon? Bah, qui a fait ça? Mais, regardez, c'est lui qui a tout camion en Afrique, tout bagage en Afrique. Donc, vous commencez, c'est lui qui a mis les prix à chaque fois. C'est lui qui a fait ça. Est-ce que vous avez mis ça? Mais c'est au Parlement européen, mais c'est pas élu, pas en côté. Parlement européen, il est en place là. Comment est-ce qu'il a fait? Mais comme on là, c'est la han Betchia qui a commandé Martinique. Bon, alors, mais encore l'autre bête qui est là, c'est tantôt où tu parles des gilets jaunes, mais c'est en France là. Oui. Bon, ça va passer des affaires gilets jaunes qui ont réclamé différents bagages. Non, pas de la Martinique. Nous avons l'autre bagage pour nous faire Martinique. Ben, on nous fait ça, nous, parce que l'ONI en millions. L'ONI en millions de gilets jaunes en France, ici, il n'y a pas même ni 300. Et Poutine? Parce que ici, c'est pas. Est-ce que Patrick a profité du fait que Mamel Lac a fait un mouvement pour nous faire un mouvement, nous aussi, oui, ici? Nous aussi, mais qui je nous a fait? Un seul gilet jaune, nous l'avons. Un seul gilet jaune, je me présente. Mélie. C'est moi. Ouais. Paul Michel Etienne. Okay. Paul Michel Etienne. Mélie, là. C'est celle-là. Bon, mais Adam, mais, ça c'est dit, pour que Mamel Lac a fait un mouvement quand même pour me dire. Oui, mais un mouvement, mais en l'autre bagaille, qui gilet jaune? Et qui ça peut être fait exactement? Quand il était fait en 2009? Quand il était fait en 2009? On nous barre l'eau, oui, on barre l'eau. Mais là, on a des mouvements sociaux. Mouvements sociaux, les jeunes, c'est important quand même parce que le même c'est le système politique l'a changé. Il y a des trop de profitation, des trop de bagailles. Bon, alors, ma cavier d'où on bagaille. En Martinique, nous sommes entièrement à part. Pour qui? Regardez, la force est augmentée et RMI. Il n'a pas augmenté ici. Parce que nous sommes entièrement à part. Nous sommes entièrement à part. Regardez, il y a augmenté et la CEDEC là en métropole. Il s'est pas augmenté. L'eau nous tenir, puisque il y a eu banane nous, il y a eu là, il vient nous. Actuellement. Des SMS qui ont augmenté prix, on l'a nous aussi. Oui, mais il y a eu que ça a augmenté sur les nous. Ça a bouché que ça a augmenté sur les nous. Parce que c'est nous. C'est nous qui avons planté canard, c'est nous qui avons planté canard. Mais ils ont voté loi. Mais c'est 2022. Eh bien, mais nous n'y sommes pas gourmets pour ça. Nous sommes gourmets pour ça encore. Oui, nous n'y sommes pas gourmets pour ça. Nous sommes barrés en Martinique. Comment y est?
ça, ça tout c'est comme nous te fait en 2009. Bonjour madame, bonjour, 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 ça va? Alors, comment ça se passe ici aujourd'hui en Martinique? En parlant de quoi? Au niveau du Lorrain. Au niveau du Lorrain, les gens, les gens sont agréables, ils sont vraiment accueillants, mais ça va. D'accord. Au niveau... On est dans quel magasin ici? Ben, nous sommes au Bazar Saint-Ange, au Lorrain. D'accord. Dis-moi, oui. Je vois que vous n'avez pas trop de sargasses ici. Ça va, la plage, la plage? Vous parlez qu'il n'y a pas de sargasses. Ah, si ouais. Vous allez sur le sur la plage, monsieur, les sargasses, elles sont toutes sur la plage. Hein. Donc, le problème est encore présent. Et donc, encore présente, mais c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas aussi d'odeur comme la commune d'à côté, comme au Marigot. Là, mais comme ça arrive sur la plage, il n'y a pas, mais vraiment, c'est désagréable. Il y a déjà des gens qui sont malades par rapport à ça, non? Bon, je ne peux pas dire. Bon, nous, comme ici, bon, qui c'est qui n'est pas malade avec le sargasse? Qui c'est qui n'est pas malade avec la sargasse? Tout le monde est malade, hein? Parce que même parfois, ça m'est arrivé à venir travailler et que j'avais la gorge irritée, hein? D'accord. Très irrité, même la peau, au niveau de la peau aussi, parfois il y a des petites pigmentations. Ça arrive, hein? Donc c'est des choses qui peuvent peut-être causer problème pour nous plus tard. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est la nature, monsieur, on n'y peut rien. Tout à fait. C'est Dame Nature qui parle, hein? On n'y peut rien. Exactement. Voilà. Alors concernant, je suppose que vous suivez l'actualité. Tout à fait, tous les jours. Vous avez vu qu'il y avait des gilets jaunes en métropole tous les samedis. Oui, il y a aussi en Martinique aussi. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a aussi en Martinique quand même, c'est hors de France. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de leurs revendications? Mais ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous, hein. Nous ne sommes pas à l'abri non plus, ça nous concerne tous. Hein. Bon, c'est vrai, on ne peut pas s'y mettre dedans, parce que sinon, comme on est au travail, on ne peut pas, mais ça nous concerne tous. Donc bon, les grands-parents, nous sommes les impôts, bien sûr, qui c'est qui n'est pas concerné quand on... Non, nous sommes tous concernés. Ça concerne tout le monde, les retraités. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement a décidé de prélever sur les chômeurs, sur les retraités également, quelques revenus? Mais un chômeur ne travaille pas, mais ce n'est pas normal. Ça, ils travaillent déjà pas. Pourquoi quand même ils seront sanctionnés par, le fait qu'ils ne puissent pas trouver du boulot, par exemple. Je me dis, un retraité ou une retraitée qui a travaillé toute sa vie, ben pourquoi prévenir de l'argent sous ces gens-là? Mais ils n'ont pratiquement pas grand-chose à vivre. C'est pas normal. C'est inadmissible, ça. C'est normal qu'ils puissent enlever aussi quelques aides pour les étudiants. Ben, c'est la raison pour laquelle moi j'ai un fils qui étudie, justement. J'ai pas d'aide, je me débrouille, je fais ce que je peux pour pouvoir envoyer mon fils vers l'avant. Vous voulez quoi, monsieur? C'est pas normal non plus. C'est pas normal. Il devait avoir des aides. C'est pareil, il faut les voter. Comme plutôt, plutôt que de mettre plus de moyens, on en enlève. Non, et c'est pareil, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, au niveau de la santé, surtout en Martinique, dans le CHU, on réclame plus de moyens, plus de docteurs? Est-ce normal qu'on n'ait pas suffisamment de docteurs? Mais il manque des médecins en Martinique, il manque en Martinique des médecins. Mais j'étais dernièrement en urgence, je me suis retrouvée dans un couloir. C'est normal, ça? Pendant combien de temps? Pendant une journée. Toute une journée? Une journée, oui. Mais oui, alors justement, quel serait le message que vous auriez aimé faire passer au gouvernement par rapport à tous ces problèmes, en fait? Ouais. Déjà, quand il y a des élèves qui partent pour pouvoir essayer à trouver un diplôme, c'est les aider pour pouvoir qu'ils puissent arriver, puisque sinon, pas d'aide. Ils ne peuvent pas aboutir à leurs études. Parfois, il y en a qui laissent tomber par rapport à ça. Ils ne peuvent pas aboutir à leurs études. Parce que quand on a un parent qui élève seul son enfant, bon, moi, ce n'est pas mon cas, hein. Mais un parent qui élève seul son enfant, et puis s'il a plusieurs enfants, comment elle arrive? Il ne peut pas. Le parent ne peut pas, comment il pourra? Si l'enfant a envie d'avancer, le parent ne peut pas. Et vous pensez que la Martinique aurait dû déjà se mobiliser en même temps que les Gilets jaunes? À moins qu'elle dise, hein, c'est pas une équipe qui fait, moi-même, c'est parce que maman qui a travaillé, moi, je ne peux pas, mais si moi, je fait, moi, je fait. Si moi, c'est la retraite, moi, je peux comment moi, je fait. C'est parce que maman qui a travaillé, et moi, je suis non. En cas, pour un crayon, là. Oui, bah, si moi, non, qui là-bas, qui a une étude, moi, obligé de travailler pour m'ouvrir vers l'avant. Voilà. Si moi, je moi, je là. Je vais m'en aller. Sincèrement, parce que non, vraiment, c'est du laisser aller. Ou quand appeler à la mobilisation. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais justement, alors certains disent qu'en 2009, on se battait pour la vie chère, mais aujourd'hui, on se bat notamment pour la vie chère et la santé. Mais la vie chère et la santé, mais le problème qu'il y a eu, bon, en 2009, il y a eu effectivement ce débat, mais qu'il y a bien, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont... Oui, tout à fait. Trouvées coyons en bas de l'eau. Tout à fait. Trouvées coyons en bas de l'eau, c'est surtout ça. Mais est-ce que pour autant, il faut abandonner la lutte? Il faut pas laisser tomber, justement, il faut que nous bander. Il faut pas laisser tomber. Bien,
je suppose que, comment dirais-je, l'esclavage n'a pas été aboli dans un éclatement de main. Il faut quoi aboli, il a toujours. Il faut quoi aboli. Il faut quoi aboli, il a toujours. Eh ben, je te remercie beaucoup. Monsieur. À bientôt. À vous bye aussi. Bye. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.